Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de La Station. Alors, une station qui ouvre ses portes à 17h43. Oui, c'est un petit peu tard, vous me direz. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des événements en nocturne, il y a des décalages horaires. Et nous, on veut suivre tout le monde. Donc, comme d'habitude, regardez, les remontées mécaniques fonctionnent encore. Donc, il n'y a pas de souci. On y va. Venez avec moi au cœur de la station. On a plein de grands champions, plein de Français surtout, à suivre en ce samedi enneigé. Ce sera le cas tout le week-end d'ailleurs. On a plein de choses à voir. Alors, plein de choses à voir. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce qu'il y a certaines stations, et notamment du côté de l'Axe en Suisse, où on voit pas grand chose. Mais on va essayer d'y arriver quand même. On a du slopestyle et du halfpipe à vous montrer. Et puis attention, on ira en Bulgarie pour le snow. C'est une épreuve de slalom en parallèle. Et surtout, surtout l'équipe de France de ski cross qui est de retour. Ça se passe à Idrefjol en Suède. On attend beaucoup, beaucoup de nos bleus. Pour les détails, pour le programme, je vous propose qu'on aille saluer tous nos consultants du jour, nos spécialistes. Il y en a un en ski cross qui est particulièrement heureux d'être au micro aujourd'hui. C'est Benoît Cossé, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait les bleus du ski cross. Benoît, bonsoir. Allez, on...